Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show. Attends, j'ai paumé mon stylo. Voilà. Euh. Ouais euh, Salut, salut, salut. Donc tu vois là, on est le matin. Enfin, je viens de me lever et je me suis mis dehors parce qu'il fait beau. Je me suis dit que ça changerait. J'espère que tu vas bien. Et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de certains trucs. Je voulais faire un, un petit point sur euh, la dernière interview, tu sais. Du coup, là, parce que là actuellement, j'ai sorti deux vidéos, je vais en sortir une troisième tout à l'heure, et je vais aussi sortir la, la full interview. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. En tout cas, moi, c'est vrai que, que j'ai vraiment adoré faire ce format. C'est super d'échanger avec quelqu'un, c'est une grande première pour moi. C'était la première fois que je faisais vraiment une interview comme ça. Et euh, le fait d'avoir, enfin, je t'en parlerai un petit peu parce que le sujet se recoupe avec, avec ça, mais euh, le fait d'avoir un, un feedback et, et un retour de quelqu'un. Attends, je vais mettre un t-shirt parce qu'il fait vraiment chaud là. Attends deux secondes. Voilà, là on va être bien mieux, je me sens vraiment mieux comme ça. Et euh, du coup, je te disais, ouais, euh, je voudrais avoir du feedback parce que c'est vrai que, alors je, je comprends un truc, c'est que euh, ce qui va peut-être arrêter certains, c'est euh, le fait que ce soit en anglais et que j'ai pas mis les sous-titres. Mettre des sous-titres, c'est un boulot faraminé au montage, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait et je me suis dit que, enfin, c'est vraiment. J'ai pas envie que ça arrête des gens parce que c'est vrai que quand tu parles avec quelqu'un et que tu, tu, tu partages de l'expérience, il euh, y a vraiment de l'or dans cette interview avec Bob et. Euh, et j'ai pas envie que ça arrête ou que ça, que ça décourage certains parce que c'est vraiment pas une raison. Il faut vraiment s'accrocher quand tu vas apprendre l'anglais, tu vois. Et même si tu comprends pas, il faut continuer à écouter. Et c'est la seule façon en quelque sorte de, de vraiment commencer à catcher des mots, à comprendre des trucs et tout. Je sais, c'est... Je suis pas en train de te dire de regarder la vidéo pour avoir des vues et tout, moi tout ça je m'en fous. Mais c'est juste pour... Euh, c'est juste pour l'or de la conversation et même pour apprendre l'anglais parce que c'est la meilleure façon et, et et quoi quoi de mieux si tu veux que d'apprendre de l'anglais en écoutant des trucs qui nous passionnent tu vois quand quelqu'un te parle de son expérience avec les études et avec ce qu'il veut faire plus tard dans la vie et euh, et, euh, et avec les galères sentimentales aussi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, c'est comme ça que j'apprends l'anglais depuis le début, en regardant des podcasts. Tu vois, donc c'est vrai qu'au début, tu captes pas grand-chose, mais petit à petit, euh, petit à petit, voilà, tu, tu c'est comme ça qu'on comprend, quoi. Donc, euh, en tout cas, voilà, moi, je voulais te dire que euh, j'ai eu quand même énormément de retours positifs sur ce podcast et que c'est, c'est sûr que je vais continuer. J'ai eu des petites galères techniques parce que j'ai pas trop, j'avais pas trop compris comment enregistrer, mais en fait, au montage, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Si tu veux, on avait deux micros de qualité différentes. Et le fait que, euh, le fait que quand tu un, un micro plus pourri que l'autre, si tu veux, à un moment, euh, le, micro de, le micro de basse qualité, quand l'autre le, le gars, gars parle, il résonne dans, dans, dans le micro de haute qualité. Et du coup, ça fait un truc dégueu. Ce que j'avais n'avais pas compris, c'est qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, il faut couper le micro de l'autre, tu vois. Donc pour les prochaines interviews, je le saurai. Et, euh, et voilà, et c'est super et, et là ça m'a ça vraiment conforté dans l'idée et renforcé dans l'idée de créer ce, ce studio de podcast une fois que je serai rentré en France. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur maintenant et que je vais faire parce que je vois tout l'or que ça peut apporter et et, et la satisfaction ça me donne je te jure après avoir fini l'interview je, je suis rentré au boulot et j'étais à fond quoi j'avais j'avais le feu au cul j'étais content de faire ma vaisselle j'étais content de tout plier de rentrer chez moi et ça m'a donné juste un feu de ouf tu vois ça a permis à quelqu'un de de se de se confier de partager des trucs qu'il a vécu parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de partager son expérience enfin bon bref tu, tu vois à quel point ça me passionne je vais m'étendre trop longtemps mais bon on en, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui je voudrais te parler du d'un problème du coup qu'on a c'est Aujourd'hui, si tu veux, les jeunes, euh, en, en grande, en grande majorité, on fait des études dans le vide. Tu sais, on en a déjà parlé. Euh, la plupart du temps, on se retrouve orienté dans des études après le bac et, et, et on se rend compte que c'est pas pour nous et on, on se sent vide. Tu vois, on a l'impression, on a l'impression de régresser. Ça, c'est vraiment un, un, un truc horrible. C'est que la plupart du temps, après avoir passé le bac, bah, on a quand même un, 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 un sale matos de compétences. Tu vois, un gros panel. Je veux dire. Moi j'ai fait bac ES, je sais pas ce, dans quoi t'es ou ce que t'as fait, mais euh, apprendre les 11 chapitres déco, enfin ceux qui seront en, en classe prépa et tout, ils vont se moquer de moi, mais pour moi c'était énorme, tu vois, enfin 11 chapitres déco, euh, c'était vraiment pas mal, et bon tu les connais tous bien si tu bosses, si tu bosses bien, si t'as pris ton bac au sérieux. Donc c'est vrai que tu te sens un peu badass en sortant du bac. Et, euh, et, et tourner dans une filière, rentrer dans une filière qui est beaucoup, beaucoup plus... Euh, concentré beaucoup, beaucoup plus spécialisé et où tu vas apprendre beaucoup moins de trucs nous par exemple au, au DUT où j'étais en logistique et en qualité mais tout ce qui était économie français philosophie tout ça on a mis complètement de côté et c'est vrai que ça fait bizarre de, bizarre de sentir que tu régresses tu vois que tu perds des connaissances Donc, la plupart du temps voilà on, on a l'impression de régresser et... Et aussi de perdre son temps, parce que si tu fais quelque chose qui te plaît pas, ben tu as, tout, tout as juste l'impression d'être là à, à attendre que, que le truc passe, et tu vois tes potes à côté, enfin c'est vraiment pas un sentiment agréable, tu vois. Et pourquoi on fait ça On en a déjà parlé, c'est un standard en fait. Faire des études après le bac c'est un standard, c'est le truc qui se fait depuis, depuis que... Bah depuis que le, ce système études-bac est présent et est popularisé que tout le monde peut aller à l'école, c'est c'est à peu près le standard, tu vois. Après le bac, bah tu fais des études et quelque part, c'est c'est la voie facile. Alors j'ai marqué facile entre guillemets. Je suis pas en train de te dire que euh, euh, les études c'est facile, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Euh, le truc c'est que quand tu après après euh, après le bac, tu vois, quand tu sors du bac, euh, la voie des études est quand même la plus facile parce qu'entre faire ça et euh, te lancer toi-même et commencer ton propre business ou rentrer dans le monde du travail sans aucune expérience, tu sais, il n'y a rien de plus dur que d'aller dans un resto, enfin c'est mon expérience personnelle, euh, pour une saison d'été en disant que tu as zéro expérience et d'essayer de te faire embaucher. Là vas-y, tu vois, donc euh, ça c'est vraiment pas facile. Et le truc c'est que c'est le vrai monde, tu vois, parce que si tu n'as pas de boulot, tu crèves de faim. Donc entre ça, euh, créer un business et... Enfin il y en a qui font ça, tu vois, après le bas ils... qui... Ils vont direct dans la jungle, tu vois, et euh, ils veulent monter leur business, ils veulent monter leur truc, sans aucune expérience, sans aucune expérience de marketing, de vente, tout ce que tu veux. Et, et voilà, et, et, ils commencent à partir de la terre, quoi. Donc entre toutes ces possibilités-là, où vraiment tu es, es autodidacte, et tu te crées toi-même, et les études, on va dire que les études, c'est la voie facile, parce que c'est... Euh, c'est tout tracé, quoi. Tu vois, le chemin est débroussaillé, euh, c'est divisé en modules qui sont divisés en contrôles, tu es évalué, enfin, tu vois, tu as les lignes droites et tu suis juste le process, quoi. Et euh, si, si tu t'acharnes un peu dans le travail, tu passes. Donc, quelque part, c'est un peu la voie facile. Et il y a un truc que je veux te dire là-dedans, c'est que j'en ai souvent parlé en mal, mais euh, il faut relativiser les choses et, et je, veux pas te comme, je veux pas te faire sentir comme quelqu'un de mauvais. C'est que, la majorité des gens font ça, si tu veux. Euh, 95% de, des gens, je pense, après le bac font ça, et moi j'en fais partie. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas vraiment cracher sur les études parce que je les fais aussi, et euh, c'est normal de prendre cette voie parce que c'est le truc qu'on nous a amené. Tu vois, parce que c'est parce que quelque part quand t'as 18 ans, t'es trop jeune pour réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Donc c'est vrai que la liane qu'on te tend. Euh, où on va te dire que bah, tiens accroche-toi encore un petit peu pendant 2 3 ans on va te prendre encore sous nos ailes tu vois bah, elle est tentante parce que enfin moi à 18 ans je me sentais pas prêt de me faire mon truc tout seul tu vois genre c'était pas le cas et même encore aujourd'hui tu vois j'ai j'ai je vais avoir 21 ans dans 10 jours là dans 9 jours ça va être mon anniversaire donc euh, c'est vrai que ça fait, ça fait du bien aussi de de se dire bah je vais pas être lâché dans la nature à 18 ans et devoir me démerder tout seul tu vois donc c'est normal de prendre ses doigts. maintenant euh, Comment faire quand, euh, quand tu es, es là, tu vois, dans ce cursus C'est que mine de rien, bon, ben, ça fait du bien de ne pas être lâché, mais en attendant, tu as l'impression de régresser, tu as l'impression de devenir une merde, tu as l'impression de faire un truc qui te plaît pas, tu as l'impression d'être déprimé tous les jours au fur et à mesure parce que tu n'es tout simplement pas dans le cadre qui te convient. Et je voudrais revenir sur un argument de Bob, du coup, si tu as regardé l'interview qu'on a fait tout à l'heure, tu vas, tu vas comprendre. Alors, je l'ai un peu transformé, mais lui, ce qu'il disait, grosso modo, c'est que. Si tu fais un bachelor, parce que dans les pays anglophones, c'est pas licence et tout, c'est bachelor, master, tout ce que tu veux. Si tu fais un, si tu fais un, un bachelor ou un, un truc en 3 ans, 4 ans, c'est ok, tu vois. C'est ok parce que, voilà, peut-être que. peut-être Enfin, c'est ok de faire ça. Le truc, c'est qu'après, il faut en profiter et après, il faut notamment lui parler de faire ce voyage, tu vois, partir, euh, partir en voyage et faire son expérience du voyage. Et moi, je vais un peu le retourner comme ça, c'est que. Euh, faire des études, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie et que t'es parti un peu dedans sans, sans vraie raison, tu vois. Ouh là il y a un énorme 4x4 qui arrive. Je sais pas si tu vas l'entendre. Euh, faire des études et partir dans le, dans le monde de, de, des études, c'est ok. Mais il faut lui donner une utilité à ce temps-là, tu vois. Parce que 3 ans ou 5 ans, c'est pas un temps négligeable sur, sur ta vie et c'est pas un temps où tu peux te permettre de te dire, bon, ben j'ai juste resté là à rien apprendre, quoi. Et euh, c'est pour ça que. Enfin moi quand je suis parti à Agen, si tu veux, tu as plusieurs méthodes de donner une utilité. C'est que... Euh... Attends, qu'est-ce que j'ai marqué là Ouais, ce que je disais, c'est que c'est important de donner une utilité à ces études. Et moi, je te disais tout à l'heure que j'ai fait, enfin, après le bac, j'ai fait un DUT. Mais c'est vrai qu'en partant là-bas, je m'étais mis directement dans la tête. Tu vois, je savais que, enfin, rien qu'au nom qualité logistique industrielle, c'était pas un truc pour moi. Moi, je suis vachement un mec dans les émotions. Je suis un mec dans le contact. Donc, t'imagines bien quand tu me mets à côté d'une machine et, et d'un plan de process de production, tu vois. Enfin, moi, ça me fait vomir. Je le savais dès le début que ça allait pas me plaire quelque part. Mais je me suis dit, ce temps-là, je vais l'utiliser euh, de telle sorte que je sais qu'à 18 ans, je suis encore un, un minot, tu vois. À 18 ans, je savais que j'étais capable de rien faire en sortie du bac, mais je me suis dit que je vais utiliser ces deux années pour gagner de l'expérience et de la maturité, tu vois. Donc c'est vrai que je suis déjà parti dans ce cursus en sachant que ça allait me servir à rien quelque part, mais j'allais prendre le maximum, j'allais vraiment en prendre le maximum et, et, et gratter toute l'expérience possible. Euh, de, de cette aventure là, de ces deux années de DUT, tu vois. Et quand je te dis qu'il faut le rendre utile, c'est que, quelque part, si tu rends utile tes années de formation, même si ne te plaisent pas forcément, ça va te permettre trois choses. Déjà de une, ça va permettre d'être ok avec toi, parce qu'il n'y a rien de pire que de sortir d'une formation ou, ou d'un cursus d'études en te disant que tu n'as rien appris, que tu n'as fait que régresser et que tu as perdu du temps, tu vois. Il n'y a rien de pire pour, qui, pour, pour achever ta confiance en toi, pour, pour te lancer dans ce qui, ce qui va suivre, tu vois. Deuxièmement, c'est que voilà, tu vas partir confiant pour l'avenir. Euh, c'est L'échec, c'est ok, tu vois. Euh, l'échec ça fait partie de, de la vie de ça fait partie de l'aventure ça fait partie de, de la vie de celui qui veut suivre ses rêves tu vois et, euh, et il faut toujours repartir co confiant et repartir fier de ce qu'on a fait avant tu vois euh, j'aurais pas pu être là tu vois' enfin je pense que j'aurais pas pu être euh, si bien avec moi-même aujourd'hui euh, si j'étais pas allé à Clio, tu vois, à ce DUT-là en me disant que euh, j'avais perdu deux années, tu vois. Non, j'ai essayé de, tu vois, pendant ces deux années, de années j'ai fait des stages où j'ai gagné énormément d'expérience. J'ai Enfin, j'ai vu ce que c'était la vie dans un bureau. J'ai vu ce que c'était que de mener des projets, parce que la plupart du temps, mes sujets de stage, c'était des trucs, bon, un peu badass, tu vois, genre euh, je devais. Euh, des trucs qui allaient vraiment influencer un peu euh, euh, en quelque sorte l'entreprise c'était des trucs sur euh, améliorer la production ou voir ce qui allait pas ou bosser sur les dangers dans des ateliers donc des trucs assez importants et même si je savais que ça me même si je savais que plus tard il y aurait aucune chance que je referais ça mais bah je me disais mais bah c'est super parce que au moins une fois dans ma vie je saurais ce que c'est donc vraiment donner une utilité et voilà et quelque part tu ça te permet de mettre à profit ce temps que tu as l'impression de perdre tu vois et du coup en sachant ça, je vais te donner cette liste d'étapes très très simple en trois points. C'est que si en ce moment, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et que tu fais des études où tu sens que tu t'accomplis pas, où tu as l'impression de perdre du temps et que tu as l'impression de rien à faire là, dis-toi deux choses. C'est ok, on a tous le droit de se tromper et tu as toujours moyen de reprendre le dessus, tu as toujours moyen faire, de, de mettre à profit ça. Comment tu vas faire ça Tout simplement. Si tu as une passion, tu te mets à fond dedans. Tu vois euh, euh, si t'es si à fond dans le sport ou que je sais pas, tu veux devenir, t'avais pensé à devenir coach plus tard, mets-toi à fond dans le sport, après tes heures de cours, tu vas, tu vas en salle, tu, tu, tu cours, tu t'améliores, tu te fais un physique de ouf, tu, voilà, tu, tu, tu gagnes un maximum d'expérience dans ta passion et tu te mets à balle dedans, tu vois. Euh, tu, tu montes un projet de voyage. Euh, moi, tout le projet de l'Australie, je l'ai monté pendant que je faisais mes études, tu vois, je veux dire euh, pendant la deuxième année de DUT euh, la plupart du temps, le soir, je le passais sur des forums et sur des vidéos sur YouTube à regarder combien il me fallait pour partir en Australie, toutes les questions qu'on a pu me poser d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, euh, dans quelle ville arriver, acheter le visa, acheter le billet, acheter l'assurance, tout ça. Donc tu montes un projet, tu mets à, à profit ce temps qui ne te plaît pas. Mais même pendant mon stage, tu vois, je, je me souviens, il y a même une vidéo où j'étais encore à mon stage où on me voit bouquer l'avion pour l'Australie, tu vois. Donc tu trouves un moyen de mettre à profit ce temps et de de le tourner en ta faveur. Et troisième, troisième étape, c'est de te, te mettre à fond, si tu pas, si pas de passion et si tu pas non plus de projet pour après, euh, le meilleur truc que je, puisse, que je peux te dire, c'est te mettre à fond dans les études, même si tu ne si les aimes pas, pour gratter au maximum d'expérience. Parce que tu as toujours du bon à sortir du mauvais, tu vois. Euh, tu peux toujours transformer de la terre en or si tu, si tu si t es curieux et si tu, cherches, si tu cherches la bonne pierre, tu vois, si tu cherches la bonne perle. Euh, C'est ça qui m'a permis d'ailleurs de faire cette vidéo à la fin de Clio. Je sais pas si tu l'as vu elle s'appelle Adieu Clio. D'ailleurs, je vais te la linker parce que c'était vraiment une vidéo importante pour moi et, et euh, j'en ai retiré vraiment un, un super souvenir. C'est que Clio c'était pas pour moi, tu vois, mais euh, j'ai énormément, j'ai tellement grandi là-bas, j'ai tellement changé. Si tu me compares en rentrant à Clio, tu vois, 18 ans, sortie de bac, sortie de rupture, enfin, euh, pas plus dans la merde, tu vois. Et euh, après Clio, deux ans après, euh, c'est le jour et la nuit. Enfin, personnellement, je trouve, c'est là-bas que j'ai commencé à mettre dans la vidéo. C'est là-bas que je me suis fait une passion. C'est là-bas que... Que j'ai monté mon projet en Australie, c'est là-bas que j'ai acquis énormément d'expérience en entreprise. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je peux très bien dire que voilà, euh, j'ai fait une vidéo pour une entreprise qui concerne les dangers dans, dans un atelier, qui a permis la prévention euh, euh, pour les nouveaux employés. Tu vois, ça, ça pète sur le CV, même si je l'utiliserai jamais. Mais c'est un truc que j'aurais jamais pu faire si j'étais pas allé dans ce cursus-là. Tu vois. Donc, mets-toi à fond dans ton truc et même si ça, ça demande beaucoup de force de caractère, tu vois, de se mettre de s'impliquer dans quelque chose qui nous plaît pas mais il euh, y a tellement à en retirer il y a toujours tellement à retirer de d'expérience qui enfin tu vois moi j'ai vécu tellement de mauvais trucs j'ai vécu tellement de galères mais comme disait Bob encore une fois dans l'interview, la plupart du temps ces galères-là, c'est toujours ces moments-là dont tu te souviens le plus, et c'est toujours ces moments-là qui t'ont appris le plus, tu vois. Donc euh, voilà. Soit une, un de ces trois trucs. Tu te mets à fond dans une passion, comme moi je l'ai fait dans la vidéo. Tu montes un projet de voyage comme moi je l'ai fait pour l'Australie. Ou alors tu te mets à balle dans tes études. Moi c'est un truc que j'ai pas pu faire. J'ai pas, pas eu la force de le faire. Je pouvais pas me mettre à fond là-dedans parce que... Enfin moi je suis très je suis très comme ça tu vois si un truc me plaît pas je peux pas me mettre dedans mais peut-être que toi tu peux le faire peut-être que enfin, tu dois sans doute, être, sans doute être beaucoup plus fort que moi à ce niveau là pour pouvoir encaisser et, et je t'assure que tu auras des résultats, je t'assure que tu vas apprendre des choses, je t'assure que tu vas en ressortir plus grand. Voilà. Euh, J'espère que, que merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et euh, moi je te dis à la prochaine. Euh, voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ce qui est interview, projet plus tard et tout. Si tu as des questions, ajoute-moi sur Snapchat, je ne l'ai pas rappelé récemment, mais c'est là-bas qu'on qu qu discute un peu entre nous et du coup c'est là-bas que tu peux m'envoyer des questions. Si tu veux envoyer une question à laquelle je, tu veux que je réponde en vidéo, on peut faire ça aussi. Tu peux aussi liker la page Facebook en bas, je te l'ai mise dans la description. C'est là que je te mets toutes les photos et tout, toutes les news de voyage en quelque sorte. Euh, au fur et à mesure que j'avance, quoi. Donc, si ça t'intéresse, tu peux, tu peux liker la page et on se rejoint là-bas. Moi, je te dis à la prochaine pour le prochain Egon Alternative Show. Ciao.